Coucou, j'en profite pour faire une petite vidéo, tant que mon père est pas là, sinon je vais devoir couper. Alors du coup, ben, je repars à zéro parce que j'ai perdu tout. Donc j'ai découvert le Dove chez ma mère qui sent super bon, le déodorant Dove. Voilà son petit format. Mais c'est vrai que je prendrais sûrement le grand format parce qu'il est super bien. C'est ma mère qui se sert de ça. Après, j'avais donné le Galénic que j'avais. Vous avez dû le voir, ceux qui sont là abonnés plus longtemps. C'est de l'eau démaquillante micellaire, vous voyez, ça en est bien servi. Il reste que ça. C'est super top en complément du lait que j'ai acheté, que j'avais de l'eau micellaire en cadeau. Et j'ai eu le lait démaquillant galénique pur à l'eau florale de Mélilou. Deux en un, démaquillant visage et yeux. Et il est fini. Ça, faut que je regarde en ma grande parapharmacie. Et top. C'est frais, ça colle pas. J'ai sauvé un petit échantillon de parfum qu'on m'avait offert. Sandrine doit le reconnaître. C'est Maura. Il y a mon père, lui, il n'aime pas trop les vidéos cosmétiques, alors je suis discrète. Maura. Voilà. Moi, je me suis racheté une petite brosse à Leclerc. Des petites pinces, bien sûr, moi sans mes petites pinces, voilà, des petites pinces pan et bleu, et des petites pinces marron. Voilà, donc la pince derrière que je sens moi, sinon je ressemble à une folle. J'ai pris un autre fond de teint Maybelline Dream Satin, je crois que je l'ai pris un peu trop foncé. Voilà, il est pas mal, il est un peu lisse sur la peau. En hiver, c'est la beige, teinte beige dorée. 21, j'aurais dû prendre la teinte en dessous, mais bon, je suis tellement pâle que j'en mets pas beaucoup, j'étale. C'est un flacon pense, il y en avait tellement dans le rayon Leclerc, je savais pas quoi prendre. C'est dingue, les fonds de teint qu'il y a. Voilà. Il n'y a pas le zoom, je suis désolée. Voilà. Ça laisse la peau un peu satinée. Il faut pas avoir la peau grasse. Après, en crayon à lèvres, j'ai trouvé que ça. Maybelline, mes Color Drama, j'ai pris la teinte, je vais dire ça, Color Drama, Maybelline, alors moi je m'en sers pour toutes les lèvres, voilà, c'est la teinte, je sais, c'est rose, hop, Maybelline Leader, Color Drama, intense velvet, puis pencil, crayon à lèvres, couleur intense, fini velours. Là, ça se présente comme ça, j'ai pris le rose que c'est une couleur que j'aime bien. En complément de ça, j'ai pris un rouge à lèvres que j'avais déjà acheté pour un swap, dans la même couleur. Je suis très rose, hein, qui est le Caris de L'Oréal 07. Hop. Si vous le verrez, vers la couleur, c'est le Cheeky Magenta. Non, on le voit pas. De toute façon, il n'y a pas de zoom. C'est le Cheeky 07. Voilà. C'est mignon, l'emballage. Il est pas mal. Je le mets par-dessus mon crayon. Donc, c'est la couleur. Voilà. Bon, mes ongles sont pourries, c'est normal, je les ai limés pour faire partir. C'est bien parti. Voilà. Mes ongles, ils sont à refaire, je le sais, mais c'est pas prévu au programme tout de suite. Voilà. Ça fait un peu ça. Il est pas mal. Il est bien hydratant. Voilà. Les peaux très pâles. Après, j'ai pris pour les paupières parce que j'ai plus rien en maquillage. Ça, une palette bourgeois, le Smoky Story. Ah, tiens, je vais l'ouvrir. Bon, je me sers bien sûr du petit pinceau qui va avec. Il est pas mal. Moi, je m'en sers comme ça. Et le centre, on peut le passer avec le doigt sur la paupière pour lui donner
de la lumière. Voilà. Avec un petit pinceau comme ça. Et la pointe. Avec du mascara, Great Lash, que vous connaissez tous, de Maybelline, le black. Il divise bien les cils, mais il n'est pas très épaississant. Parce que lui, ce matin, il est pas mal pour un basique. Pour 8 euros, c'en est moins cher. Après, un crayon à sourcils de L'Oréal. La couleur 302 Golden Brown. Ça ressemble un peu à mon Clarins, mais il est plus sec. Ah, il est plus sec. Mais bon, ça va. Il se ressemble beaucoup. Et pour finir, un petit crayon esquisse de Leclerc que j'ai acheté pour tailler mes crayons. Là, qui est jaune fluo, hein, comme vous voyez, ça fait vert même. Et une crème que j'ai taxée à ma mère, qui pour les peaux matures, mais qui ne me va pas trop mal pour le moment. Ça hydrate et ça me... assez doux pour la peau. Je ne rachèterai pas, mais pour un Vichy, c'est pas mal. Parce que je suis assez réactive aux produits Vichy. C'est pour les peaux normales, un mixte, je crois. Et c'est la gamme Neo Vadiol GS. En français, ça donne quoi? C'est un soin densifiant remodelant, ovale ajusté, cou affiné, pommette modelée, au point normal à mixte, sans parallèle. Vous voyez comme ça. Faut vite que le père y mange. Et c'est un peu vert clair. Je l'ai taxé parce qu'elle n'aime pas, elle trouve que c'est trop riche, moi elle me va très bien. C'est un peu vert, vert clair. Ça sent le savon, ouais, le savon, voilà, un peu vert clair comme ça, c'est ce que je mets sur la peau tous les matins. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes cosmétiques, hein, ça arrive le stock. Bisous.